Rentrée scolaire 2024-2025, l'apôtre King Joshua Agbotti et son association ADP ont pensé aux élèves nécessités de l'orphelinat La Maison des Rêves dans la commune du Golfe 6. La joie se lisait sur les visages des orphelins qui ont bénéficié ce vendredi 13 septembre 2024 des dons de vivres du papa des orphelins et des veuves, des kits alimentaires et des kits scolaires pour leur permettre de passer d'agréables moments de la rentrée scolaire. Amen. Ces dons de vivre et de kits scolaires viennent soulager un tant soit peu les difficultés des responsables de prise en charge des orphelins de la Maison des Rêves en termes de nourriture et de kits scolaires durant cette période difficile marquée par la crise économique. Les orphelins de l'orphelinat La Maison des Rêves ont témoigné leur gratitude à l'endroit de l'homme de Dieu pour ce geste de bienfaisance qui donne du sourire à leur visage dans la catégorie sociale. Les enfants orphelins ont prié pour la vie de l'apôtre King Joshua Agbotti pour le remercier. Pour l'apôtre King Joshua Agbotti, ce don est un geste de grâce divine qui vient de Dieu et une manière pour ADP de raviver en eux la flamme de l'espoir, comme quoi tout enfant a droit à l'éducation. Il faut que tu aies un peu de temps.
Mais vous avez dit à quel est le vous le cata, attention. Au quelqu'un est meilleur ou après le cata aujourd'hui. Au quelqu'un qui va courir là, tout le monde est au bon Dieu. Non, bon, on a fait un peu de bonheur. Mon yadé. Je ne sais pas si vous avez dit à quel est le cata. Je ne sais pas si vous avez dit à quel est le cata. Je ne sais pas si vous avez dit à quel est le cata. Je ne sais pas si vous avez dit à Je ne sais pas si vous avez un job. Je ne sais pas si vous avez un job. Mais donc, il y a un problème de nation, mais là, il dit, mais il y a une confusion avec Bobo. Il y a un confort, il y a un